Salut tout le monde, ça c'est Antoine, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de jeux vidéo. Ça veut rien dire. On recommence. Salut tout le monde, ça c'est Antoine, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui encore une fois, un nouveau compte rendu vide grenier. Alors aujourd'hui encore une fois, comme la dernière fois, je n'ai pu acheter qu'un seul jeu. Alors je vais me rendre vers chez moi, c'était à peut-être 10-15 minutes de chez moi, donc ça va, c'était pas très loin en bagnole. Donc voilà, donc j'ai pu faire cette brocante, donc j'ai trouvé qu'un seul jeu que je possède déjà, mais non, je vous ai expliqué pourquoi est-ce que je l'ai repris. Alors j'ai failli m'acheter aussi, il y avait un trépied. Alors j'ai failli m'acheter un trépied, donc un trépied, si vous savez ce que c'est un pied qui tient les appareils photo comme j'ai là. Sauf que le mien il est vraiment trop lumineux, il est trop gros, puis il est un peu vieux, il est passé. Du coup je voulais le changer. Donc j'ai pour projet de m'acheter, donc pour chez moi quand je reste ici, un gros trépied Manfrotto de 200€, donc ça fait mal au cul. Mais j'avais envie d'un petit trépied léger comme ceux que j'ai là par exemple. Mais sauf que ceux-là ils sont cassés tous les deux, donc je voulais en prendre un. Je l'avais vu à 5€, j'ai dit au début j'étais bof, puis après j'ai pensé qu'il m'en fallait un pour pouvoir en transporter et tout. J'ai voulu y aller, il n'y était plus, la dame l'avait déjà vendu, donc voilà. Donc ça m'a un petit peu dégoûté, enfin ça m'a dégoûté. Mais bon, on va quand même vous présenter, je vais quand même vous présenter le jeu que j'ai acheté. Alors je l'ai acheté, donc c'est Counter-Strike Source. Donc je pense que tout le monde connaît Counter-Strike, hein. J'ai pas à y présenter, donc c'est un jeu de guerre, voilà, ça commence un peu style Call of Duty. Et alors pourquoi je l'ai acheté alors que je le possède déjà? C'est simplement parce que le premier que j'avais acheté, déjà je l'avais acheté plus cher, celui-là je l'avais acheté 2€, celui-là 1€. Et simplement en fait le code là qu'il y a là, il n'était plus valable, il ne marchait plus, donc c'est pour ça que je l'ai pris, donc je me suis dit ça se trouve le code marche. Mais je l'ai acheté, vous voyez, pour 1€, donc c'est vraiment rien quoi. Donc j'en suis quand même assez content, donc on essaiera peut-être si ça marche, si vous faire des vidéos. Donc aussi avec un inclus... Half-Life 2 et Day of Defeat Source, que je connais pas. Donc en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, les gars, commenter, ça fait toujours très plaisir, toujours de plus en plus sur la chaîne. Et moi je vous dis bye tout le monde.